Et bonjour à toutes et à tous, c'est Kiko, on se retrouve pour l'épisode 5 de Lys Retour au Pays de la Folie, donc on va commencer directement par ce petit passage secret qui nous mènera à la suite de l'aventure du Chapelier Fou. Si vous n'avez pas suivi l'épisode d'avant, eh bien allez-y, et l'épisode encore d'avant, allez-y aussi, non ça ne fonctionne pas par là. Je carotte, je dois retrouver les membres de ce saligaud là-bas qui n'a plus de chapeau, qui n'a plus rien, qui est vraiment nul. Chapelier Fou qui est complètement maboule dans cet épisode de Alice. Les interrupteurs ne fonctionnent que sous le poids de la menace, d'accord, bon. Dépose un chrono-bon sur l'interrupteur, ça fera un allié de poids, d'accord. Comme ça, l'ascenseur descend, ce qui nous permettra de pouvoir le prendre, hein, rien que ça. Est-ce qu'on a pris là? Oui, on a pris notre prix. Regardez en haut à droite, vous avez un petit timer sur le lapin bombe. Je sais pas comment dire ça. Le lapin bombe, je trouve ça marrant. Et on monte à l'étage supérieur de la tour du terre. On l'appellera la tour du terre. Plutôt peur, la tour du terre. Alors. Filtrance des arrows. Hein. Assemblage. D'accord. Chalet. De quoi? Coup destruction. Comme demandé. D'accord. Un parapluie. Je pense que c'est mon bouclard. Travaillez juste. Jusqu'à votre dernier souffle, nous vous le rendrons. Appuyez sur E pour parer. E, j'ai pas de mémoire. Au centuple. Offrir sa c'est ça, Y. Plus gratifiant que oh merde. Un travail oh les sligo. Travaillez juste. Oh merde. Jusqu'à votre dernier souffle, nous vous le rendrons. D'accord, au quelle touche. Soit ça. Offrir sa peine. Et plus gratifiant que recevoir sa paye. Ah, c'est... Ah! Et voilà ça! C'est ça qu'on veut! Oh putain, quel noob! Oh là, on va se faire défoncer. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut faire comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh putain! Et voilà, on a pété un... Ah! Pété un des masques. Gentiment, simplement. Oh putain. Je prends ces claques. Bordel de lieu. Après, on va absolument laisser le truc en... Oh là, tiens, c'est trop la merde. Hop là. Oh putain. Ah oui. En mode vénère. Et voilà. Complètement folle. Complètement malade. Pardon. Du coup. Allez, ouvre l'interrupteur. Il n'y a pas d'autre interrupteur, c'est la petite zone là. Et voilà. C'est cool. D'accord, il n'y a pas de troisième interrupteur. Est-ce que je peux aller par là? LT. Non, c'est ça. Peut-être par là, hein. Enfin, sans balance, de toute façon, faut aller dans les deux côtés, donc. Hop. On va être de ce côté-là. Hein. On va se battre contre une tasse, si je ne m'abuse. Non, pas du tout. Non, 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 non. C'est plus stylé que ça, quand même. Quand même, s'il vous plaît. S'il vous plaît, hein. Un peu de respect. Un peu de respect. Plus stylé que ça. Briser les jarres, ils contiennent. Chercher des interrupteurs et activer. Ils te mèneront vers une autre direction. Alors. J'ai beaucoup trop classe. Ah, le chat. Le chat. L'étendue de cette désolation n'est connue que de ceux qui en souffrent. Oui, merde. Merci le chat. Toujours sympathique, hein. Toujours d'une aide incroyable, ce con. Jusqu'à votre dernier sang.
L'industrie vit de nos souffrances. Avidité et lassitude, Alice. Voyez ce qu'elle a fait de ce quartier. Vous devriez vivre à la ferme. En Australie, peut-être. D'accord. Nous devrions céder ce qu'il reste de votre héritage. Bien sûr, ouais. Ce qu'on va faire, sur Start, arme. On va améliorer. Ah, d'accord. On va améliorer ça. Cotisant 675, le prochain. Travaillez juste jusqu'à votre dernier souffle. Ah d'accord, on arrive dans les zones un peu plus difficiles. Hein. Ce sont des points, je sais pas si vous les voyez, ce sont des gros points qui tapent contre le sol. Là ce qu'on va faire, je sens la carotte encore. Hein, donc... Alors ça, ah. Oh, il y avait la caméra. Putain, caméra. L'idée c'est de tout bloquer et d'aller le plus possible, sinon on est un peu dans la merde. Hein. Est-ce que je peux monter là-bas derrière? Non, pas encore. Hop, on dachine. Comme si c'était rien passé. On se retombe même pas, hein, parce qu'on est au-dessus de ça, vous commencez à savoir hein, qu'on est complètement au-dessus des difficultés dans n'importe quel jeu, bien sûr. Beaucoup trop fort. Oula. Ah! Pardon. Cri du désespoir, on le valide. Le saligo. Alors, est-ce que ça tient debout ou pas? Pas du tout. Je vais me faire écraser comme une grosse merde. D'accord. D'accord. Pas du tout. Pas du tout. Ça comme ça. On a un peu le temps là pour faire ça bien. Comme si ça passait rien. Faut vraiment faire comme s'il n'y avait aucune pression. Le temps n'est pas important. Bonjour. Je sais pas par où... En vrai, je sais pas par où je vais. Hein. Je suis un petit peu ce qui se passe. Qu'il y a deux chemins différents. Donc... Ah, on arrive au niveau 3, ça ouvre la porte, ça ouvre tout. En fait, on était carrément sur le bon chemin. Je pense que là, je l'ai raté par contre. Ce qu'on va faire, pour ce faire, on va dash. Des ports, ce n'est pas non, la porte! Oula, qu'est-ce qui se passe? Sauvegarde. Jusqu'à votre dernier souffle. C'était une petite sauvegarde. Nous les rendrons au centuple. Et voilà. Ramasse tes dents, j'aime bien. Voilà, hop, on lâche. Easy. Ça se passe plutôt bien. Trop bien, mais faut bien faire... Faites vraiment attention à tous les détails qu'il y a dans le jeu. Si vous le faites, hein, vraiment, arrêtez-vous. Faites attention au moindre détail parce qu'il y a tout qui est travaillé, absolument tout qui est travaillé. Ah non, mais alors les larves là, non mais ça va pas là. Pote, pote. Pilou, 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 pilou. D'accord, il y a un petit gros lard. Et là on dash. Comme s'il n'y avait pas de monde. Il est... je l'ai bloqué derrière la porte. C'est ça qui est bon. Vous voyez les théières là? Oh putain. Des petits trucs là, ceux des grosses. Comment les bras? Pas du tout, ils veulent pas aller. Oh, genre, ils sont codés pour pas aller en dessous là. Oh putain, je me suis pas compris. Stylé ça.
ça se passe bien quand même, hein, vraiment. Rien de bien difficile. On spamme les touches. C'est assez relevant. C'est difficile, en vrai. Avec un petit souvenir. Certains insectes mangent leurs petits, Alice. Nous avons beaucoup à apprendre. De leur vie ou de leur mort. Est-ce que ça voudrait dire qu'elle veut me bouffer? Est-ce qu'elle veut me bouffer, putain? Oh là là, nouvelle zone, nouvelle difficulté. Alors à gauche ou à droite, on va faire pic, nique, douille, à 3 zones, il y a un pic, nique, douille, ici, à 3 zones, 2, 3 zones. Non, j'ai pas du tout suivi ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, on s'en balance. D'accord. Je me suis trompé de ça. Ah non. Je suis en train d'être cochon. J'en jouis. Ah ben voilà. J'avais raison. Et voilà. Voilà. Une fiole là. Doré. Voilà. Ce qu'on va faire. Attends, on va aller par là. Je pense que c'est là, c'est le chemin normal. Hein. Ça doit être relativement plus galère, donc c'est par ici. Là. Faut-il faire? Eh bien non, on va pas sauter. On va tirer avec le lance-poivre. Pour débloquer le passage qui nous permet de continuer à progresser. Ces petites cages à poules. On est dans un, enfin, une usine de thé, hein. Il y a des poulets partout. Hein. Peut-être qu'il faut des poulets pour faire du thé. Si on les mixe avec des épices, on arrive à faire du thé. Putain, qu'est-ce que je raconte, moi, encore? Qu'est-ce que je raconte, les amis? Qu'est-ce que je raconte? Je deviens fou. C'est le jeu qui en a fait comme ça sur moi. C'est un truc complètement... je sais pas, inexplicable. J'ai pas de mots. Tirons le levier. Quoi, l'épisode est déjà bientôt fini, donc à force de faire des conneries, franchement, ça passe, je trouve, extrêmement vite. Continuons. Pouf, on récupère les dents, toujours les dents. Alors là, par où? Que se passe-t-il? D'accord. Que se passe-t-il? Ah ben voilà, putain, je l'ai presque pas vu ça. Je fais de pas le voir, hein. Ça a été eu, donc on peut continuer à avancer. Je vais aller récupérer l'objet qui est là-dedans. Qu'est-ce qu'on va faire? 1, 2, 3... Le canari s'endort dès qu'on couvre sa cage, Alice. Comme par magie, il dort du sommeil du juste. Comme maman et papa, ils dorment comme des loirs. Oh. C'est pas mignon, ça. Ils dorment comme des loirs. Ton entêtement finira par te blesser. Tu aurais mieux fait d'écouter mes avertissements. C'est les gens. Donc, sans un regret, je m'apprête à te faire bouillir comme une écrevisse géante. Eh bien, on va s'arrêter sur ce lapin qui pète un boulon. Et on le tuera au prochain épisode. On le tuera. On va aller... après cette zone tranquillement dans l'épisode 6 déjà l'épisode 6 on progresse bien à l'air de rien. Donc eh bien moi je vous dis à très bientôt pour l'épisode 6 d'Alice et puis on aura sûrement du Borderlands à côté, hein, du Borderlands, je ne sais pas quel jeu encore. Plein de choses en tout cas prévues pour vous les amis. Encore une fois, Facebook, Twitter, tout est dans la description de la vidéo, donc allez faire un petit clic sympathique, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager, à commenter sur les réseaux sociaux. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.